Et nous faisons apprendre là que garde-côte américain rapatrié 71 migrants haïtiens qui ont été interceptés tout près de Porto Rico. Fait, nous connaissons jeudi dernier, il y a une quantité haïtienne tout, que Haïti était déporté dans le pays d'Haïti. Là-dedans, il y a plusieurs qui ont fait un mauvais acte par rapport ici aux États-Unis. So, là, c'est politique par le bâton, nous voulons préciser ça. By the way, guys, nous sommes supposés live avec vous aujourd'hui, nous avons des contraintes. En parlant du dimanche 1er septembre, nous n'avons pas arrivé à faire ça. Nous avons essayé de faire effort nous pour lundi après-midi, lundi 2 septembre, pour nous décorer avec vous. On avance, guys. Donc, nous voulons être clair dans la tête de tout le monde, vous comprenez ça. Et déportation a continué normalement. C'est vrai que, en fait, nous avons un pouvoir démocrate et nous avons une stratégie. Donc, mais ça, c'est pour suivre tout le monde qui a essayé de faire mouvement, soit prendre la mer, soit traverser les frontières. Nous voulons faut comprendre qu'ils sont stricts dans cause de ça. Ils sont très stricts sur cause de traverser les frontières. Ils sont très stricts. Donc, pas de chance. Qui a qui ça? Son stratégie, lui. Stratégie à qui ça? Lui dit, bon, comme ça que passé, nous avons plusieurs moyens pour pouvoir entrer dans le pays. Nous avons un programme Biden, ça fait des dix ans, puis le monde, nous mettons posé. Programme Biden, non, compte tenu de l'objectif, les gens liés à la Bajam qui a campé. OK? Et il y a un peu de monde qui a demandé jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'il ait campé. Bagay. Son programme qui a toujours été tout autant que démocrate, là, puisqu'il fait partie de un plan. Ils sont pions dans un ensemble de stratégies. Et ça, vous le comprenez. Il dit que, on ne pas bêtiser avec nous sous frontière, là. Je m'abstrique sous ça. En contrepartie, on a quelques petites chances, si nous voulons, bien que la printemps, nous caissions le programme Biden. Et qu'on programme au fait venir là. Côté que, actuellement, ça a fait là, il y a élargi, comprenez bien, côté au monde capable, ça n'a les descendants de réfugiés, côté au commandé refuge, côté au commandé asile, yo vraiment élargi. Donc, par exemple, le cas de Mexique, généralement, forte, qui tourne en nord, soften, on a parti nord, qui tourne en partie sud, ou capable, faire CBP1. N'a pas rappelé que dans le temps passé, il faut que tout est dans zone, et frontière là, dans Mexique, côté capable de faire CBP1, je ne veux dire, même lorsque ou pas dans une frontière ou capable de faire. Et ça, c'est en fait au niveau du Mexique pour montrer aux gens la possibilité. Mais ils permettent que, je ne veux pas dire, qu'ils sont capables de faire CBP1 sans qu'ils passent aux frontières là. Et bien, et si par exemple, vous êtes dans les zones qui collent avec le Mexique, ils sont capables de faire. Et yo en fait, c'était 30 août, 30 août, là, ils ont annoncé, ils ont ouvert un relais additionnel. D'office international dans le pays de l'Équateur et qui pourra mettre focus sur augmenter le processus pour les gens qui ont demandé régie refuge. Ben, la démarche est consistante avec l'engagement que vous prenez pour augmenter la quantité de gens qui ont demandé refuge et aider à réunir avec famille aux États-Unis. Donc, ça vous comprend? Il y a toujours continué by d'autres alternatives, by d'autres moyens pour les gens d'entrer ici. En même temps, ils n'ont vraiment pas joué avec causer sous frontière là. De toute façon, vous dire à tout le monde, ou même qui a couru traverser, oui, par exemple, ou même qui sortit Mexique ou pas, ou dit bon, on ne peut pas faire CBP1, on va pas traverser. Je dis avant de parler avec vous là, c'est 1er septembre, eh bien, l'on fait ça, maintenant, t'es tout, ou bien, en pile chance, ou y'a pas de poteau, c'est des cas exceptionnels, qu'on fait des séries de femmes enceintes, qu'on a chance. Femme enceinte, là, qu'on a avec Marie, le papa, vous voyez Marie aller, il a quitté femme enceinte, là. Donc, de toute façon, vous dites tout le monde, c'est en politique, j'ai toujours dit là, c'est politique, carotte avec bâton, c'est le cap joué là. Et c'est politique, son politique, carotte avec bâton, cap joué là. Donc, il a fait des concessions, mais en même temps, guys, et pour tout le monde qui gagne ça dans la tête, yo, et, en fait, même avant le programme, ça, si vous l'en mettez même sur le plan légal depuis au Kembe, vous n'avez pas de droit. Depuis vous n'avez pas de toucher terre. Depuis vous n'avez pas de toucher terre, vous n'avez pas d'engagement. Si vous l'en mettez bon. Okay? Si vous n'avez pas de toucher terre, ça ne va pas arriver, non? Normalement, ou capable, vous êtes supposé qu'il y a un droit à demander asile. Non, je dis, ou t'as supposé. Parce que d'après la dernière résolution Biden prend là, et qui est en action dans ce moment-là, il n'y a pas pressé de voir personne sur la frontière même. Bah, la plus compliquée. Dernière décision, il dit c'est lorsque vous avez un job en bas 5 000 personnes par jour pour
Ça va retourner dans la normale. Mais pour le moment, quel que soit mon nom, le bouton de séquence, tu as demandé, si je ne vais pas même t'en. La vérité, il faut nous dire, il faut nous d'accord que c'est un acte, l'on va analyser qui n'est pas légal. Et sans acte qui n'est pas légal, puisque il est écrit dans le moment de la pays, de pour traverser les frontières, puis on touche aux États-Unis, ou gain droit. Ou gain droit, justement, au moment de l'asile. Sans acte qui n'est pas légal. Et Biden fait en conséquence de cause, puisque il n'est pas véritable gardé devant l'inaction des républicains. Il vient faire, ça vous comprenez là, il marche, l'aide du marché. Chiffre là, vous pouvez, ces derniers jours, quantité de monde qu'on a traversé ses frontières réduit de manière considérable. Non, on m'en parle avec vous là. Réduit de manière considérable. Okay. Réduit de manière considérable. Donc, ça veut dire que stratégie Biden, justement, il y a des résultats. Mais faut nous dire que malgré ça, ça va empêcher que l'organisation qui a défendu les migrants pour attaquer la justice, elle a déjà attaqué la justice. Et nous pensons que sous peu, Biden gain doit obliger retourner sur décision ça. Mais moi, je voulais croire que l'organisation immigrée voulait une mission de chance. Je me dis, vous voulez une mission, vous parlez trop sévère, puisque vous avez une bonne concession, vous comptez ça tout. Et même lorsque y a la justice, vous avez droit, vous avez liberté, ça. Vous prenez tout le temps qu'il faut avant pour faire le dossier avancer. Et vous avez juste voulu que tout ça pas interférer dans l'élection. Même vous garantissez après l'élection, vous prenez le passe en vitesse. Pour que Biden retourne sous décision, ça. Retourne sous décision, côté que, dès que vous vivez sous frontière, vous n'avez pas même temps d'eau, même de vous paraître, tout non bac, c'est des poteaux. Donc, ça dit, c'est une stratégie, effectivement, qui bat résultat. But, gagner, ça n'est capable de dire, il y a une remise en question de l'égalité stratégie, ça. Donc, mais enfin, certain, quel que soit Jean Viril, chiffre là pour montrer que la stratégie a marché. Il tellement marché actuellement là, et Texas, gouverneur de la palais, dit, il va y avoir des gens, il va voir les gens dans chargé de boss, mettre les gens, il va pas joindre les gens. Bon, Fon dit tout dans le cas de Texas, il combine avec politique Biden, mais il combine avec un ensemble de mesures. Un ensemble de mesures draconiennes, et les petites draconiennes, c'est des mesures. Nous connaissons, par exemple, elle choisit, mettons, pile barbelé, et puis il choisit, mettez les sandales sous l'eau, on bat ensemble avec les gens qui ont mouru là-dedans, bah, ça nous connaît là, la côte jusqu'à présent, il était pending. Donc, dans le cas de ça dit que il gouvernait à bord, il mettait vraiment des mesures qui sortaient de l'ordre de l'ordinaire, et des mesures exceptionnelles pour faire, pour le contrer, justement, avec ensemble, qui vient faire que je ne veux dire. Et a bon déclaré lui-même, il n'y a presque pas de problème du tout. Donc, ce n'est pas à voir avec tout le monde qui a crié sur frontière, c'est là, pas de ça. Pas de ça. Je ne veux dire, il est clair pour tout le monde. Pas de problème, pile monde sous frontière encore. Nous avons parlé de l'autre bagaille, mais ça parle en d'autres termes. Et Trump, avec Zamilio, parlement qui parle en bouche, pas de rien. C'est là. C'est ça qui est vérité.